Linda Kwan pour ma deuxième danse. C'est un reggae pour débutants. Départ du pied gauche avec après 24 temps. Me revoici Linda Kwan pour les explications du reggae Rain or Shine pour débutants. C'est après 24 temps, pied gauche. Quatre parties seulement et c'est deux murs. Un quart de tour, on fait la marche chassée avec du rock step. C'est 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. On inverse. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Troisième partie, marche arrière avec un pointé. 1, 2, 3, on tape des mains. 4, on revient en avant. 5, 6, 7, on tape des mains. 8 et pointé pied gauche. La toute dernière partie, arrêt pivoté, deux quarts de tour. 1, 2, 3, 4. On finit cette partie-là avec un jazz box. 5, 6, 7, 8. Mur arrière. On fait la même chose. Donc, un quart à droite, à gauche, c'est 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. À droite, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Marche arrière, 1, 2, 3, pointé 4 et tapez des mains, 5, 6, 7, tapez des mains, 8 et pointé pied gauche. Arrêt pivoté, 1, 2, 3, 4, jazz box, 5, 6, 7, 8. Et c'est tout. Alors, vous allez remarquer que pour la danse, la démonstration, on a fait juste 3 ou 4 fois avec un fade-out. OK? Merci beaucoup et bonne saison de danse à tout le monde pour le